Alors, on va aller. Allez, viens, Canigou. Votre arme dans son étui, vos mains dans les poches et votre clapet fermé. Suivez-moi. Ok, t'es gentil toi. Ça donne envie de te parler. Merci, défenseur. Laissez-nous un moment, s'il vous plaît. Je suis désolé d'insister, mais cette idée me plaît pas. Bien noté, défenseur. Ce sera tout. Entendu. Alors c'est vous que Morin nous envoie. Pour être tout à fait franc, tout ce que je suis prêt à confier aux pecnos du coin, c'est de faire briller mon armure. Et encore. Mais vous avez cet ordinateur au poignet. Je crois que Morin a pris la bonne décision. Il pourrait peut-être nous être utile. Alors vous avez une moitié de cerveau. C'est bien. Je vais faire ça. J'ai besoin de vous et de votre ordinateur. Si vous m'aidez, je verrai ce que je peux faire pour vous aider. Ce n'est pas le genre d'offre que les dissidents font à n'importe qui. Alors vous feriez bien d'y réfléchir. Très sûr que la personne qui arrivera au bout du programme de simulation pourra y accéder. Mais ça réclame une interface spéciale. Hélas pour nous, nous n'en avons pas. Mais vous, vous en avez une au poignet. J'aimerais que vous entriez dans le simulateur et terminiez le programme. Ça déverrouillera l'arsenal. Vous aurez une part du matériel, bien sûr. C'est la libération d'Anchorage, en Alaska, des communistes chinois. Un événement important de l'histoire américaine, selon notre scrim. Je ne vais pas vous mentir. C'est de la haute intensité, sans protocole de sûreté. Donc, si vous crevez dans la sim, c'est l'infarctus mortel. Vous m'écoutez toujours, alors je suppose que ça vous intéresse. Mais le temps presse. Si Blay peut vous conduire à la sim, Pauline va vous briefer. Si vous voulez partir, allez-y. Mais... Super. Encore quelqu'un du coup. La salle du simulateur.
m'aides, m'aide. Un coup de poing américain, je m'en fous. Steam Pack, Radix. Tu m'aides, m'aide. Gary 23. Hop. Alors, attends, que je retrouve le bouton pour saisir Michel. Alors, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est celui-là, voilà. Allez, viens Gary. Bon, je vais y arriver. Attends. J'arrive pas. Je l'ai saisi. Voilà. Et celui-là. Non. Je suis con. Oula, 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 oula. Bon. Bah merci merci Fallout, je sais pas sur quoi j'ai cliqué mais bon, ouais, on repart hein. Heureusement que j'ai sauvegardé. Avant de. Je veux pas accéder à Steam, va te faire foutre. Bethesda, comme tu le dis. T'es sérieux, c'est un verrou facile, bordel de merde à cul. Voilà. Bon, alors. Là, j'ai pris un coup de poing américain, j'en voulais pas. Voilà, je prends tout le Medix. Voilà. Pourquoi ça marchait pas tout à l'heure? Viens voir papa. Viens Gary. Viens, on va aller faire un tour sur la salle de simulateur. Donc tu le mets où en fait? Du coup. Vous seriez pas mieux dans une grotte?
Tu le mets au bout du simulateur. C'est ça? Alors attends, je relis. Si tu veux, dans l'endroit avant de faire la simu, t'as un corps. Tu prends le corps, tu le mets sur le bout du truc de simu. En sorte qu'elle ne tombe pas en de mauvaises mains. Magro espère que ce qui se trouve là-dedans nous fournira un net avantage. Bon, alors, tenue d'interface neuronale. Fais voir à quoi tu ressembles. Ouais, la classe. Voilà. Ensuite, tu l'ouvres. Si vous venez aider, tant mieux. Sinon, dégagez. Tu le mets sur le bout du truc de simu pour qu'il tienne. Dès que ça se ferme, et en fait, avant de descendre dans la simu, ça fait écran noir, laps de temps pour voir la lumière. Et là, tu cliques fouille et tu mets tout, et après, tu fais. Parce que comme je connais pas l'astuce, je préfère la faire pas à pas, quoi, du coup... Attends, hop, on va faire une petite sauvegarde rapide. Comme ça, on est bien. Bah il tient là, non? Il tient là. Je peux pas y accéder. Vous parlez d'une chute. Quand votre parachute s'est mis en torche, j'ai cru qu'on vous reverrait plus. J'espère que les autres s'en sont sortis. Ça m'étonnerait que leur patron vous ait arrivé. Alors on tient toujours l'effet de surprise. Vous avez toujours votre matos, alors je vous laisse choisir. Restez discrète, tirez dans tous les sens. On se retrouve toujours au point de jonction à l'intérieur. Ensuite, on ira faire sauter ces pièces d'artillerie.